Et les amis, c'est parti. On se retrouve pour PGA Tour 2K 21 même. Donc on va continuer notre carrière. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, comme d'habitude. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Là, je viens de finir Cyberpunk, donc ça me laisse un peu plus de temps pour jouer à d'autres jeux. Il était assez prenant, mais bon, on va pas parler de Cyberpunk ici. On va parler de golf. J'ai changé la tenue. J'ai mis un truc plus en adéquation avec le moment. Donc cette vidéo elle sera donc le dimanche 27 décembre. C'est pour moi que j'avais pas mis fait de vidéo sur le golf. Donc voilà le retour du golf. Le grand retour de Giant Trick. Ah, moi, ça, ce beau pull de Noël, c'est magnifique. Moi, j'ai pas trouvé toute la tenue de Noël, hein. il y avait que le pull. Donc, hein. Après, il y a des tenues sympas, mais il faut atteindre le niveau 99. Et vu le peu que je joue au jeu, autant dire que j'atteindrai jamais ce niveau. On va tenter sans essai, en direct. Sans filet. Petit lent. Sans filet, ça fait petit lent. On avait dit qu'on laissait. Donc on se permettait d'accélérer ici. Il n'y a pas beaucoup de vent, ça me va. Ça fait plutôt plaisir de ne pas avoir de vent. Est-ce qu'on joue le risque là? Non, c'est un risque complètement idiot. De toute façon, un driver là-dessus. Ça n'a que peu de chance d'atterrir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un très lent. Ah là 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 là, faut que ça reste. Stop. Oh, aïe 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 aïe. C'est une cata, j'ai fait un très lent. Parce que là, je vois pas du tout comment est le sol. Ça, c'est un des problèmes du jeu, je trouve. C'est que là, on voit pas le. Enfin, on le voit. On voit à peu près que ça penche à droite. Donc, il faudrait peut-être le mettre dans ce sens-là. Mais pas beaucoup d'indications là. Elle est comme ça, fort. J'espère que ce soit assez fort, justement. C'est bon. On atterrit sur le green, c'est déjà ça. Ah non, c'est un green en montée, au secours. Ah putain, mauvais souvenir ça. Ah ouais, putain, c'était un par 5. Oh là là. C'était un par 5. Tourne. Oh, c'était presque. Ah là 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 là. Dommage. Dommage. J'aurais pu faire un beau birdie. Ça finit sur un par pourri. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de prendre du plaisir à jouer à ce jeu. On va laisser la caméra arrière. Caméra derrière le joueur. Histoire de voir. D'avoir sa vue à peu près pas mal. Tu le levais de points, je suis fier de lui. Et on est tous fiers de lui. Ah, c'est qui ça? Gary Woodland. Bien joué. C'est bien joué. Très bien joué. Alors, oh là là là, le trou est pire endroit. Le trou est vraiment pire endroit. À l'entrée du green, sur une montée, le rebond va tout faire. Ah, dommage. Aïe aïe aïe, dommage. Franchement, là. Ça méritait mieux. Les chips, j'ai du mal avec les chips dans ce jeu. J'ai vraiment du mal. La balle, elle roule jamais. Peut-être mettre un effet vers l'avant, je sais pas. Mais tous les chips que je fais, la balle, elle s'arrête net. Alors. Ils étaient en train de faire la promo de Gary Woodland, apparemment, si j'ai bien compris. On voit pas grand-chose. Hein. On voit où elle tombe. On voit le point levé de Jean-Patrick, c'est que c'est bon.
Jean-Patrick est content. C'est un par 4, j'ai même pas vu. Ah, mais les trous, mais ils ont décidé de faire ça tout le long. Je pense que là, on est bien parti pour des trous pourris. Des trous pourris au niveau du placement, bien sûr. Des trous entrée de green. Voilà, on va rester là. Partir légèrement à droite, ça va un peu loin. Ah ouais. Ils sont durs à jouer ces trous. Hein. J'ai du mal. Hein. Les trous entrée de green comme ça, t'as toujours un peu peur de taper trop fort. Comme là par exemple, ou de pas assez fort, c'est encore pire, je crois. De pas taper assez fort. On va dire au moins je suis sur le green, mais regarde-moi ce green. Regarde-moi ce green pourri là. Ça va fort à droite. Hein. Ah, pas assez fort. Dommage, ça manque légèrement de puissance. Ah, on enchaîne les parts. Bon. Bon, on est à zéro, mais. Ce serait bien de passer la première. En restant au point mort, on n'avance pas. On va envoyer ici. Une patate ici. Oh, le rapide bien dégueu. J'ai peur qu'elle tombe dans l'eau. Faut qu'elle freine. Freine, 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 freine. Je suis au pire endroit de l'univers. Ah, où je me suis mis là. Matt Kachor. Oh, that's great. It just missed the hole. Pas mal, belle approche. Oh là, mais je me mets encore dans des endroits complètement improbables. Hein. C'est un truc de fou. On va tenter comme ça, mais. C'est parti tellement à gauche. Oh, attention! J'ai pas touché le green. On va faire l'explosion. Oh, elle a tapé en haut. Oh là là. C'est une galère. Je suis en pleine galère là. Oh non, j'ai pas eu l'aspi. Ah, oh, j'ai pas eu l'aspiration. Pas été aspiré. Ah là là là. Premier boogie. On a plus un. Bon, maintenant il va falloir mettre des beaucoup. Hein. Allez, c'est parti, on se met en mode. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça passe normalement au-dessus du bunker. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Ça passait la butte, ça roule maintenant. Parfait. Ça c'est un beaucoup. Gary Woodland. Ah ben c'est bien, quand il rate un peu, ça fait plaisir au moins. Pas que moi qui rate tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, ouais, je voulais voir ça, j'avais carrément oublié la touche. Alors. Elle risque de roulotter pas mal celle-là. Mais vu que c'est en montée... Vu que le green est en montée, si ça roulotte, ça ne me dérangerait pas trop, sauf si ça part trop loin. Voilà, le green va la ralentir un peu. Elle a touché le sol assez loin, je ne m'attendais pas à ce qu'elle touche aussi loin. Bon. Et je pensais qu'elle prenait un peu plus le vent. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Un peu de puissance et ça rentre. Premier birdie qui nous fait remonter à 0. Enfin, ils ont décidé de faire ça tout le long. Ça va être une cata. Ça va être une catastrophe. Ah, ça va aller tellement loin ça. Allez, adieu. Au revoir à la balle, merci d'être passé. Ah, ça redescend. Pas trop. Un peu. Un peu, pas beaucoup. Ah, il a même la cravate. Pas mal. Hein. Et là, le petit chapeau de cow-boy et le haut du Père Noël. Qu'est-ce que tu veux? Alors, attends. Momentum.
C'est un momentum, il a dit, le monsieur. Ça va tourner. Ah, ah là 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 là, ça veut pas. Hein. Aujourd'hui, ça veut pas. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours, ça veut pas. C'est dommage. J'avais la bonne trajectoire, mais manquait un peu de puissance. Ou légèrement la mettre sur la droite. L'important, il faut vraiment que j'arrive, que j'arrête de rater mes engagements, non, parce que c'est souvent ça. On va tenter comme ça. Elle tourne pas. Elle tourne pas assez. Parce que j'ai fait un rapide. Le rapide amène à gauche. Et du coup, ça annule mon. Ça annule mon effet. Forcément. À chaque fois, je me mets sur le rough. C'est un truc de fou. Un lance, ça ne devrait pas être trop problématique au niveau de la trajectoire. Le rebond. Ah, pas mal, hein, l'approche. Pas mal. C'est bien. Non, c'est une bonne approche. Une bonne approche. Voilà. Allez. On commence à scorer. On commence. Il ne faudrait pas qu'on perde ça non plus. 8ème par 4. Voilà, ça c'est du perfect. Alors vous êtes nombreux à me demander par rapport au stick comment je fais. J'ai répondu, mais je re-réponds. En fait, j'ai beaucoup joué au jeu de 2019, là, PGA Tour, featuring je ne sais plus qui, là, featuring Tiger Woods, je crois c'était. J'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup entraîné dessus. Donc là, le stick, je l'ai. Ce qui me manque encore, c'est un peu les timings. Mais je joue beaucoup moins à celui-là que je jouais en 2019. Ça, c'est clair et net. En 2019, je l'ai complètement retourné. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Lui, j'ai un peu moins de temps, donc je joue moins. Mais voilà, l'entraînement, il n'y a que ça de vrai, les amis. L'entraînement. Alors, par exemple, là, il me manque... Le timing. Je sais pas pourquoi j'ai fait un an, là. Je comprends pas. Là, dans 2019, j'avais tout, que du perfect. Hein, niveau timing, tout était parfait. Et là, j'ai plus ça. Lob, explosion. Tranquillement. Oh, dommage. Elle a un peu roulotté, là. C'est honteux. Ah, c'est honteux, ça. Ah non. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai raté. Ah, c'était trop facile. C'était tellement facile que je l'ai raté. Et c'est du 9 mètres. Du bois 3, ça va envoyer très fort, ça. Par contre, j'ai assez de puissance, mais pas trop. Ah, ça va trop loin. Ça va rouler. Allez, stop. Ça a freiné quand même. Le drapeau, il applaudit avec les gens. Le drapeau, il s'est mis à applaudir. Matt Kuchar. J'ai l'impression que la dernière mise à jour, ils ont corrigé un peu les... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. J'utilise jamais ce truc-là, moi. Cette vue, cette caméra bizarre, hein, cette vue bizarre. Là, c'est quasiment tout droit. Hein. Wow, c'est du tout droit. On repasse en moins 1. Du parcours, on est à moins 1. Trou 10 par 4. Allez, on y va. Il faut passer le bunker. Le bunker, faut le passer le bunker. Est-ce qu'on passe là? Yes. On l'a passé, c'est parfait.
Faut faire un très beau. Mais les trous, ils sont tout le temps pile à l'entrée du green, quoi. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Incroyable. Le but, c'est d'atterrir là. Et qu'après, elle roulotte. Elle va tomber sur la droite. Et c'est un lent. Du coup, ça casse tout mon truc. Mais elle devrait tomber au bon. Ah, c'est bien tombé. Hein. C'était bien tombé. Putain. Malgré le lent, ça tombe bien quand même. Hein. Regarde-moi cette tête. Oh, ouais, il est énervé, JP. Attends, LB, c'est quoi ça? Ah! Ça sert à quoi ça? Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Mais bon. Ça tourne pas. Oh non! Ah, mais non! Je sais pas quand ça fait ça! Ah, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça tourne des fois et des fois ça tourne pas. Normalement, là c'est -2. Ah là là, Patrick Reed est là, faut faire attention à lui. Non, on va jouer tranquille, on va pas prendre de risques. Oh, le lent n'est pas bien méchant là. J'ai bien fait de pas prendre de risque. Si j'avais drivé avec un lent, ça serait parti dans le bunker à droite. J'ai pas vu c'était un par combien. Ah, si c'était un par 5, j'ai fait une erreur. Mon rival, Matt Kuchar. Il a fait un dunk. Il a dribblé avec la main, tac tac, il a sauté, il a dunké. On a même entendu défiler. Ah, c'était un par 5. J'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait une erreur. J'aurais dû attaquer. Les par 5, ma technique, c'est de les attaquer au maximum. Surtout le premier coup, de les driver, de m'approcher le plus possible sur mon premier coup. J'ai peut-être fait une erreur là. Là, le but des par 5 pour moi, c'est de réussir l'eagle. Pour moi, un par 5 réussi, c'est un par 5 où tu fais eagle. Ah, dommage. C'était tellement près. J'ai failli le réussir. Le birdie dans un par 5, pour moi, c'est normal. Dans ce jeu, tu as un par 5, tu dois faire au moins birdie. Le bon coup, c'est l'eagle. Un excellent coup même. Et un coup raté, c'est par 3, il me la met là. Oh putain, le trou, il est tellement... Oh, c'est tellement placé n'importe comment, ça n'a aucun sens. 3 mètres en dessous. Oh là. J'ai peur. J'ai peur d'où va aller la balle là. C'est un beau coup, mais elle risque d'aller assez loin. Mais elle a pris de la hauteur. Oh, j'ai failli taper le drapeau. Ah, t'imagines, je la rentre comme ça, ça aurait été le coup du siècle. Si je la rentre comme ça, j'arrête de jouer. Si je l'avais rentré là, ça voudrait dire que c'est bon, je suis trop fort pour ce jeu. Qu'il n'a plus rien à m'apprendre. Ça tourne? Eh non, mais ça... J'ai pas les putts. C'est simple que ça, j'ai pas les putts. Aujourd'hui, les putts sont contre moi. Putman n'est pas là. Putman est absent. Oui, bien sûr. Tout à fait. Leaderboard, on est combien? 5e, moins 2. Ah, on est dans la partie à Reed. Il a un point d'avance. Faut pas qu'il nous passe devant, parce que Reed, on fait la course. Dans la FedEx, il est où? Ah, il est là, pas le drapeau. On est en compétition pour la FedEx. On va tenter. On tente. Ah non. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis trompé de touche. Non, là, ça va dans les arbres. On va pas tenter, finalement. On va rester bien sage ici. On tente pas. On reste là. Non, dommage, ils ont mis des arbres devant nous.
Sans les arbres, j'aurais tenté. Et là, là c'était sûr que tu touches l'arbre et c'est fini. Là. Il est à 6 mètres au-dessus du sol. Je vais voir comment ça va rendre. Du coup, on va toucher très tôt. C'est ça ? Eh ouais. Forcément. Forcément. Je savais, mais je voulais être sûr. Enfin, je savais. Non, je savais. Je m'en doutais plutôt. Ça tombe pas. Hein. Quand ça tombe pas. Quand ça tombe pas. Quand ça tombe pas. Je peux pas faire grand chose quand ça veut pas tourner. Petit lent. Pourtant il a claqué hein, pour un lent. C'est bien. C'est bien. Il s'est approché, mais par contre je suis dans une position. C'est pas la meilleure. Alors, ça fait comment au sol là ? Ça fait comment ici ? Ok. Ok. 3 mètres au-dessus du sol, ok. 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. On a plus 3 mètres. Là, ça va partir à droite. Ok, vas-y, mon pote. Ouh, c'est parti très à droite, là. Ah, je m'attendais pas. Au rebond qui m'amène à gauche. Dommage, ça va s'éloigner. Ah, c'est sorti du green. Les trous, ils sont placés. Magnifique. Magnifique. Les trous sont placés d'une manière complètement... difficile d'accès, je trouve. Tino Palob, explosion. Ok. Dommage, dommage. Le rapide, c'est dommage. Le rapide, il me décale trop. Le rapide, il me décale à gauche. Allez. Je regarde pas les scores, le tableau, je regarde pas. Le leaderboard, pour l'instant, je le zappe. Oh, les greens, ils sont tellement hard. Les greens sont tellement hard. En fait, c'est le placement des trous. Ils sont placés. Rebond à gauche, rebond à gauche. Ah non. Oh là là. C'était risqué ce que j'ai fait. On est obligé de prendre des risques dans ce jeu. Ah, encore ce satané rapide. Parce que l'explosion, je fais beaucoup de rapide. J'ai du mal à avoir le timing sur les coups courts. Sur les coups cassés, j'ai du mal à avoir le bon timing. Sur les coups longs, j'y arrive à peu près. Justin Thomas pour le birdie. Et bien sûr, il le met. Forcément, c'est le meilleur. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre d'adversaire. C'est bien. Le trou, il est là. Ok, autant dire que c'est même pas la peine de tenter. On va rester sagement ici. On va pas tenter, hein, parce que là, faut passer les arbres. Et non, les arbres, tu les passes pas. C'est eux qui te passent. Ça aurait été quasiment pareil. Le risque n'en valait clairement pas la chandelle. Tac. Looks to have chosen the seven iron.
C'est pas mal ça. S'il y a la distance. Il y a la distance. C'est pas mal. C'est la bonne distance. Il manque juste un peu de précision sur la ligne, mais c'est la distance. On n'a pas le jeu, c'est du tout droit. Ne crée pas un virage à gauche au dernier moment, s'il te plaît. Ah là, on a moins 3. Ou 17ème. Alors lui, il ne faut pas se manquer. Je vais le tenter, on prend des risques, je le tente. Il ne faut pas le manquer, lui. Ouh, le rapide. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est un rapide gentil, ça va. Là, la languette, elle était petite. Hein. Faut pas faire un gros rapide ou un gros lent parce que là, c'est fini. Tu perds ta balle. Et le 18ème. Oh. On va le faire en chip. Ah, c'est un pitch, ça, c'est pas un chip. Ok. Le pitch, je sais pas comment elle va réagir. Normalement, elle va freiner, c'est ça? Ah, fallait pas mettre effet. Fallait pas mettre l'effet. Le pitch, là, j'ai l'impression qu'elle freine toute seule. Enfin, regarde derrière comme ça en rouge. Ah, comme ça tombe derrière. Encore une fois, je suis pas un expert du golf. Je fais ça parce que j'aime regarder du golf. J'ai jamais joué au golf de ma vie. J'aime bien regarder à la télé. Sur Golf Plus, j'aime bien regarder. Quand il y a des tournois intéressants, j'aime bien regarder. Quand il y a des joueurs qui m'intéressent, tu vois. Et j'aime bien jouer à ce jeu. Ça, j'aime bien. Après, je suis pas un expert. Hein. Forcément, je ferai des erreurs. Par exemple, tenter de faire un effet avec un bois. Bon, j'ai bien compris que c'était idiot, mais bon, moi je tente parce que pour moi c'est possible parce que je sais pas, je connais pas toutes les spécificités techniques et tout, tu vois. Par exemple, là j'ai un fer 6. Je sais que ça va rouler. Je sais. Maintenant, il faut bien la poser. Je sais que je pourrais pas mettre de backspin sur un fer 6, par exemple. Ça, j'ai bien compris d'après les commentaires de certains. Et certains sont quand même énervés dans les coms. Regarde, hein. Faut pas s'énerver. Hein. Faut pas s'énerver. Là. Je joue vraiment pour me faire plaisir. Et pour vous faire plaisir aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le golf. Et moi, j'aime le golf. J'ai tenté un coup de Trafalgar, mais ça n'a pas marché. Allez, go. Bon, finalement, on finit à moins 4. C'est pas mal. C'est pas mal. On va voir la carte. La carte finale. J'espère qu'on est devant Reed. C'est ce que je veux pour l'instant. Moi, mon adversaire, Justin Thomas, il est beaucoup trop élevé, trop haut dans le futur. Mais il est où, Patrick Reed? Il n'est même pas dans le top 10. Il était devant nous. Bah écoute, ça m'arrange. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc. Ah oui, c'est le truc spécial qu'ils ont fait. Ah, c'est ça. Ok. Là, ce qu'ils ont fait, c'est... Attends, on va voir ça déjà. On va voir le classement en FedEx. Donc ouais, on a 1000 points d'avance sur Reed et 1300 de retard sur Justin Thomas. Mais bon, oui. Il y a un truc là qu'ils ont fait, j'ai vu ça, celle-là. Du 3 décembre au 3 mars, je crois. C'est pour l'hiver. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est un truc pour l'hiver. Attends, c'est où déjà? Là. Ah, ce petit menu où je me disais qu'est-ce que c'était. Mais voilà, c'est ça. Ah, bah du coup, ah, les premium, ils débloquent ça. Et vu que je suis pas premium, je débloque ça. Polo rentré. Avec une poitrine féminine, j'ai l'impression, non? Ouais. Tier 3
j'aurai pas droit. Tier 4, j'aurai pas droit. Ok, moi je pourrais récupérer que les trucs gratuits. 100 pièces, t'es sérieux là? Ils vont donner 100 pièces. Mais c'est rien 100 pièces. Ouais, écoute, pourquoi pas. Ah, pour tout avoir, apparemment, il aurait fallu tout jouer. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Je crois que pour tout avoir, il aurait fallu tout jouer. Bon, c'est pas très grave. Bon, je vous dis à la prochaine, les potes. Portez-vous bien. Bye bye.